السلام عليكم. أخذ كتاب ميز أبخانتيساج أون فرونسي دو لا سانكيام أني بخيميير أو نيفو دو لونيتي كاتر لورتوغراف. لوبجيكتيف سافوار أورتوغرافي كوريكتومون بخي 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 بخي. سو كو جو سي لي لا فراز كو روماك تو. لو جروب De jeunes est prêt à débuter leur match sur le terrain installé dans le pré situé près de la forêt. Donc, lis la phrase. Que remarques-tu? Je remarque qu'il y a des mots. Le premier mot, le deuxième mot, le troisième mot. Qui se prononce de la même manière, de la même façon. Donc, je remarque que. Je remarque. Qu'il y a. Des mots. Qui. Se prononce. Nonce. De la même façon ou bien de la même manière. D'accord? J'observe et je découvre. Depuis près de 2 mois, les journalistes se trouvent dans le pré en face de la maison de l'inventeur. Ils essayent de l'interviewer. Mais celui-ci n'est pas prêt à parler de sa découverte, car il ne l'a pas encore breveté. Il attend un prêt de la banque pour le faire. Donc on remarque qu'il y a le mot prêt. Premier, deuxième, troisième, quatrième mot prêt. Je manipule et je réfléchis. Lis le texte à haute voix, repère des mots qui se prononcent de la même manière. Les mots qui se prononcent de la même manière sont le prêt. C'est prêt, prêt avec T et prêt avec T. Enfin, recopie les mots que tu as repérés, que remarques-tu? Recopie un ectobadil kalimat, prêt. On a prêt avec S, accent grave, et on a prêt avec accent circonflexe T. Que remarques-tu? Ces mots, on remarque que ces mots s'écrivent. Différemment ou de manière différente. Différemment. S'écrivent différemment. Comment sont-ils appelés? Ils sont appelés des homophones. Des homophones. Homophones. Mes homophones, moi, que les mettre la tête au smer, ou à toi, bien absolu, qui fait bien un mec qui t'a beau le mal à t'artalif. Bon, que désigne le mot prêt? Que désigne le mot prêt? Et quelle est sa nature? Bon. Donc, c'est un nom, sa nature, c'est un nom. C'est un nom. Il désigne un champ ou bien une prairie, yani haql ou mazra. Sa nature, le mot prêt, le mot prêt est un nom, et il désigne
il désigne le champ, aql, la mazraa, d'accord, ou une prairie. Par quoi peux-tu remplacer prairie? Prairie a dit les corbeilles. Ah oui, je vois. On peut la remplacer par à côté de, proche de, à côté de, bien proche de. Que désigne prêt à et prêt? Prêt à, c'est un adjectif. Mustarid, Minamada, prêt, c'est un nom. Yani, c'est un nom qui désigne un crédit ou bien une somme d'argent. Yani, card ou meblag min al-mal. D'accord? Donc, vous pouvez écrire de la même façon, mais ici, c'est prêt à. Prêt à. Donc, prêt à désigne. Prêt à. Est un adjectif. Est un adjectif qui désigne. À côté de. Pardon. Disponible, par exemple. Ou bien à disposition, usine à disposition. C'est un adjectif, c'est un qui désigne à disposition. Il y a une moustérite, ou bien jaise. Mais prêt avec T est un nom. Ici, est un nom qui désigne. Il désigne, pardon, avec E, seulement E, qui désigne un crédit ou une somme d'argent. D'accord? Je construis la règle. Complète la règle avec les éléments suivants. Près de, prête, une prairie, homophone. Près, près et près sont des homophones. On, des homophones. Ces mots se prononcent de la même manière. Se prononcent al-kalimatu prononce de la même manière, c'est-à-dire de la même façon, mais s'écrivent différemment. Avec le kitaba. Le prêt est un nom commun qui désigne une prairie. Une prairie. Sert à situer un lieu. Un lieu, c'est près de. Les propres objets, près de. Près de sert à situer un lieu à côté de, proche de, ou une approximation au taqrib, à peu près. Près est un adjectif qualificatif qui a pour féminin prête. Le féminin a le nom de mustaïd, prête. Le nom mustaïd, présent, prête, mustaïd, au jahiza. Le prêt est un nom. Le prêt est un nom. Comment? Qui désigne une somme d'argent, qui a été prêté, l'a dit Okhida, c'est-à-dire un crédit. Je m'entraîne. Page suivante, à page 119. Écrit vrai ou faux. Écrit vrai ou faux. Prêt, prêt et prêt sont des synonymes faux. Ce sont des homophones faux. Le mot prête est un adjectif. Oui, c'est vrai. Le mot prêt désigne un terrain ou bien un prairie ou bien un champ.
Vrai, صحيح. Le mot près peut être remplacé par proche de ou à côté de. Vrai, صحيح. Barre, deuxième question. Barre pour chaque phrase d'homophone qui ne convient pas. Ça va nous chercher voilà l'homophone. Vrai, monastique. Elles vont au travail à pied. D'abord, l'amène. الأرجل كاري لابيت تو بري إنهم يسكنون بقرب تو بري بقرب بجوار دونك هذا بري هذا صحيح دونك هذا سي فو جو سوي بري أشانجي دو بلاس أنا مستعد لتغيير جو سوي مستعد دونك سي سا بري أفيك تي دونك سا سي فو Je suis prêt à changer de place et m'installer près de la fenêtre. Et je le suis courbe nafida, courbe, c'est-à-dire ça, prêt avec S, donc ça c'est faux. Qui donne sur le prêt. Le prêt, c'est-à-dire nahwa, l'ab, ou mazra'a, ou l'haql. Les vaches et les moutons en broute. البقر والأكباش بغض دولير يأكلون العشب دون لو بري في المزرعة بطبيعة الحال لو بري سي سا افيك او اكسون اي وي دونك سا سي فو سي لو مو كي نو كونفيان با سي سا جو مي فالي كومبليت افيك بري بري او بري افيك اس à la fin nous sommes partis en vacances dans un village près d'Agadir, de Corbi. Nous sommes partis de Talakna, Firatla, Afi Safar, Nahwa, village de Corbi, Agadir, Abjouar, Agadir. Donc c'est prêt avec S, accent grave. Vous faites un pique-nique dans le pré. Comme on a déjà ou la obinouza, fi mazra. Pré, avec E accent aigu. Pré, qui se trouve le diogedo. Pré, mijouari, makhraj le Madina, de la sortie de la ville. Donc c'est pré, avec S. Il était pré de 11h. Yani, taqriban. الحادية عشرة تقريبا بخي avec le accent S au accent grave de 11h du matin et le précédent de la cérémonie n'était pas prêt غير مستعد prêt avec T au accent circonflexe prêt à présenter son discours phrase T la dernière phrase mon frère est toujours prêt à apporter son aide aux autres prêt مستعد ou جاهز دونك سي بري افيك تي دوزيام كيستيون او سو تروف لو بري ريبون بار اون فراز ان اوتيليزون لي زومونيم كو تي ا ابري دونك لو بري بار اكزومبل سو تروف بري دو لا كامباغن مزرعة توجد بقرب القرية لو بري او اكسون ايغي سو تروف avec O accent grave S près de la campagne. Point. Dernière question. Produit trois phrases avec près, près avec T et près avec S. Près, donc c'est d'obéir Mazra ou l'Haql. Donc le pré, donc par exemple mes amis jouent dans le pré film Mazara. Pré avec T. Si tu es prêt par exemple, d'après ton mustahid
Nous pouvons aller au marché. نذهب إلى السوق. Si tu es prêt, par exemple, avec T à la fin, si tu es prêt, nous pouvons aller au marché. La dernière phrase, prêt avec S, c'est-à-dire le corbe ou le joueur. Ahmed, par exemple, Ahmed habite près de l'école. Je vois une madrasa. Point. Et c'est tout. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.